Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la gamme K2 et plus particulièrement de la nouvelle venue dans la gamme, la Standard, qui est le premier prix, donc l'entrée de gamme. C'est une board super intéressante parce qu'elle est très évolutive, donc les riders débutants débrouillés jusqu'à un bon niveau confirmé vont pouvoir s'amuser avec ce plateau. C'est une board super polyvalente et qui devrait faire parler d'elle. Donc en construction, c'est une planche qui a un cambre plat avec un rocker en spatule sur l'avant, sur l'arrière. C'est une planche qui n'est pas très rigide, qui est facile à faire pivoter, qui va être super tolérante dans les appuis. Donc un rider vraiment débutant va pouvoir commencer à s'initier au snow avec ce plateau-là. Par contre, le flex est quand même bien dosé. C'est une planche qui va être joueuse tout en étant assez stable si on commence à prendre un peu de vitesse, à lui rentrer un peu plus dedans. Donc elle va conserver un côté super évolutif qui va pouvoir vous emmener au niveau au-dessus, largement jusqu'à un bon niveau confirmé. Autant en parc que sur piste et en poudre, puisque le rocker en spatule va vous donner une bonne sortie en poudre. Le cambre plat sur piste, sur neige dure, va rester assez stable, va permettre d'avoir des appuis quand même assez francs. Et puis le rocker aussi donne un côté pivotant et puis plus tolérant au niveau des fautes de quart, des choses comme ça. Donc vraiment une planche intéressante pour commencer le snow, sachant qu'elle va être évolutive, donc pas trop limitée. Et ça, c'est intéressant pour un premier prix dans cette gamme. Donc en résumé, c'est une board ultra polyvalente, plutôt destinée à un rider débutant débrouillé, mais qui va savoir donner un rendu un petit peu sur tout type de terrain. Donc on peut aller commencer à faire un peu de côté de piste, de hors piste, quand il y a de la neige fraîche. Sur piste, elle a un rendu vraiment sain, donc même à vitesse un peu soutenue, elle va continuer à conserver un peu d'accroche, tout en étant tolérante. Et pour les premières manœuvres freestyle, elle va être assez ludique pour commencer à faire un peu de parc, des sauts de côté de piste, jouer un petit peu en flat avec. Vraiment un bon plateau premier prix à tout faire. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements sur cette planche ou sur l'ensemble de la gamme K2, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 73 26 98 47, soit par mail à snow@glisshop.com. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet.